Good morning, allez, dans les tutos aujourd'hui, les louis nishmat amramina ben chana begi bat ester nissim ben naouda et aussi une fois efrat ma'ayan bat l'avekacha pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de la Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions un certain Bodhazra, Prekalef, Mishnah Tet. Afbimkom shamro laskir, l'onebet dira amro mi peneche ou machnis le tocho avodazara shenemar venota vit ou eva el betecha. Vechol makom lo yaskir lo et amerchats mi peneche nikret al shemo. Dans la Mishnah précédente, on a appris que il y a une certaine restriction de ne pas louer une maison, ne pas vendre une maison à un goy. Par contre, dans plusieurs cas, on a le droit de lui louer, en l'occurrence selon Rabbi aussi, même en Eretz Israël, Rabbi Meir, même en Souria et en Khouslares, mais pas en Eretz Israël. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, la Mishnah nous enseigne, sache que Afbim kom shamru laskir, même lorsque je t'ai permis de louer ta maison à un goy, sache que l'olebet dira amru. Cette halakha n'a pas été dite pour lui louer, pour en faire un usage de maison d'habitation, mais uniquement pour en faire entrer, en stocker en tant que. D'accord ? En tant que. Elle a l'achnis sham teven ve'etsim ve'chayos. Une chambre de stockage, de kajibi, de cave, d'entrepôt. Voilà, j'ai trouvé le mot. Mi penei sheu machnis le tocho avodazara. Pourquoi on ne peut pas lui louer pour qu'il y habite ? Parce que Mipnei Shumachnis le Tocho Avodazara. Parce que le goy fait entrer dans sa maison sa Avodazara, sa statue, son idole, et quoi ? Sheneemar, Belotavit Oveva El Betecha. Et la Torah nous a dit, tu ne feras pas entrer une abomination dans ta maison, c'est-à-dire une Avodazara. Il y a un interdit à faire entrer une Avodazara dans ma maison. Premièrement, là c'est sort lorsque c'est ma maison. Question, c'est le sujet de la Mishnah. Lorsque je loue ma maison, alors. Là, il y a un petit problème technique. C'est que d'un côté, je suis le propriétaire attitré. Mais concrètement, l'exploitant, ouais, celui qui exploite la maison qui a le droit, c'est uniquement le goy et pas moi. Comment considérer cette situation? Est-ce qu'on considère que ça reste ma maison malgré tout? Et donc, dans ce cas-là, lorsqu'il va faire entrer une avodazara chez moi, alors ça s'appelle que je fais entrer que quelqu'un fait entrer une avodazara chez moi, donc ce sera sourd ou pas. Et bien, la Mishnah vient et nous dit qu'effectivement, c'est assourd parce que. Ta propriété dessus fait qu'il y a dans ton bien une avodazara qui entre. D'accord ? C'est clair ? Précision quand même importante, ça a rapporté cette fois-ci dans le Tivret d'Israël au nom du char, que c'est pas, la halakha elle n'est plus comme ça à notre époque. C'est-à-dire, même si c'est très fréquent, les catholiques, on peut louer, on imagine en France, quelqu'un en France il a une maison, il va la louer à un catholique, lorsqu'ils vont entrer leur statuette, leur croix là-bas, donc c'est un statut d'Avodazara. Malgré tout, il n'y a pas d'interdit à notre époque de louer. Et le Tiferet Israël rapporte au nom du char dans l'Yoredea, apparemment, regardez si ça vous intéresse, ne vous rendez pas sur ça pour la halakha, mais en tout cas, ça ouvre d'autres horizons. Où c'est rapporté que justement, à notre époque, en France en tout cas, où les droits du locataire sont très forts dans la maison, donc on considère que c'est considéré comme une vraie vente pour une durée limitée, de ce fait, c'est plus la maison du propriétaire, donc. Donc là, Vodazar n'entre plus dans la maison du propriétaire, mais chez le locataire, d'accord? On ferme la parenthèse, et on passe maintenant au deuxième sujet de la Mishnah. Au Vechol Makom, donc, on conclut, j'ai le droit de lui louer pour entreposer toutes sortes de marchandises, mais pas pour une maison, si toutefois il va faire entrer dans sa maison, puisque c'est prévu qu'il va faire entrer dans sa maison une Vodazara. On continue. Au Vechol Makom, le Yaskir lo et Amerchatz. Et quel que soit le cas, il ne pourra pas lui louer son bain, le bain public. Mipene shehi nikret al-shemo. Car ce bain est appelé au nom du propriétaire, du vendeur. On explique un petit peu mieux. On parle, il y avait des bains publics à l'époque. Maintenant. On parle plus de. Il n'y a plus de problème cette fois-ci de Avodazara. On est plutôt dans un problème de Ilchot Shabbat. Il y a le Mishnah Moura dans le Chalek Gimel sur Shabbat, il commence justement par ce sujet-là, à savoir, est-ce que si j'ai un magasin, est-ce que je peux le mettre en gérance par un goy, sachant que le goy va l'ouvrir pendant Shabbat? Alors là, on touche à un sujet, un paramètre très. C'est-à-dire, je le mets en gérance, donc moi, je ne tire aucun profit du Shabbat. Quelque part, je le loue, je lui dis, tu fais ce que tu veux. Donc en théorie, il n'y a plus d'interdit de faire travailler quelqu'un dans mon bien, puisque moi je reçois ma paye, qui travaille ou qui travaille pas. Je reçois ma taxe, le prix qu'on a fixé, ma location. Maintenant, malgré tout, il y a un problème technique. C'est que le merchatz, le bain, il était appelé
au nom du propriétaire. Tout le monde savait que c'est bien que ça, c'était « Ah, c'est le bain de Réhouven ». Et même lorsqu'ils veulent mettre en gérance un goy, les gens disent qu'ils vont partir au bain de Réhouven. Étant donné que le nom du propriétaire, il est très ancré dans le bain, dans cette affaire-là, alors là, on a un problème technique, que les gens qui vont vouloir ouvrir le Shabbat, ils vont dire « Ah, Réhouven, il travaille le Shabbat ». Il y a un problème de maritime. De ce fait, on n'a plus le droit, on a la Mishnah enseigne qu'on n'avait pas le droit de le louer, de mettre un goy en gérance dans un merchatz, à cause du nom du propriétaire qui est très fortement appelé, défini sur ce bain. D'accord ? Le Barthénora maintenant rapporte une question, et puis ensuite ça va découler à une halakha lemaaseh. Regardez que là, on interdit de mettre en gérance le bain. Mais par contre, dans la Mishnah précédente, on avait dit qu'on a le droit de lui louer un champ, par exemple. Ah oui, il y a un problème. Lorsqu'on va lui louer le champ, les gens savent que c'est le champ de Réhouven, a priori. Tout le monde sait très bien que c'est le champ de Réhouven. On sait tout ce qu'il a. Il a ici d'accord, ce champ-là, c'est le champ de Réhouven. Et là, le goy, il va travailler le Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas soupçonner que Réhouven, il est en train de faire travailler un goy Shabbat pour lui et qu'on a interdit? Quelle différence avec le bain? Et là, le Barthénois, il donne l'élément essentiel de différence. Que. Un champ, c'est prévu à être mis en gérance. Tout le monde sait très bien qu'un champ, ça ne veut rien dire d'être propriétaire d'un champ. Aujourd'hui, tu es propriétaire d'un champ, on sait très bien que tu ne vas pas forcément mettre le chapeau du paysan et venir toi forcément labourer. Peut-être que tu vas mettre d'autres personnes, tu vas le mettre en gérance, tu vas nommer un RIS, un Kablan, il y avait toutes sortes à l'époque. De ce fait, puisque c'est prédestiné à être mis en gérance par une tierce personne, donc, lorsqu'on va voir un goy travailler Shabbat, on ne va pas soupçonner que c'est ton employé. À la différence du merchatz, qu'en général, celui qui avait le merchatz, ce bain public, alors c'était lui qui le dirigeait. Et puis, de temps en temps, il avait un employé. Et de ce fait, lorsqu'il va mettre le goy, il va le mettre en gérance chez le goy, malgré tout, les gens vont soupçonner qu'il est parti l'employé. De ce fait, de là, le Barthénois déduit une halakha très importante. Il a fini, regardez, on a qu'à lire les derniers mots du Barthénois depuis Ubizman Azé. À notre époque, maintenant, chez derrière le Ori d'Aris, le Merchatz de Shana, que maintenant l'usage il est même de mettre en gérance même un Merchatz pour un an, par exemple, un Aris, ça signifie qu'il le prend en gérance en payant un prix fixe, les Mersal, les Chilis, ou même en donnant Mersal, les Chilis, je reviens, qui est derrière chez Moriné, et sa dot, au même titre que l'on amène des employés au champ, alors, Charé, l'Askir, Merchatz, les Nochri, on a le droit dans ce cas-là de louer le Merchatz, le bain en public. C'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement, si c'est un commerce, un ESSEC qu'on a l'usage de mettre en gérance, de ce fait on a le droit de mettre le goy en gérance, il n'y aura plus de problème de maritime. C'est tout pour aujourd'hui, ce que j'ai plein de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.